Pour ces deux sœurs hollandaises, la Gambie, c'est le pays de la liberté. Et tant mieux si les liens qui se créent prennent des allures d'amitié un peu libertines. Ils se moquent de l'âge. Que tu sois vieille ou moche, ils s'en fichent. Ils aiment tout le monde, ils ont bon cœur. Je suis folle de ce pays. Vous vous sentez libre ici? Oui, je me sens libre. Vous ne vous sentez pas aussi libre dans votre pays? Non. Ici, c'est paisible. C'est tranquille. Oui, j'aime ça. Tout le monde est gentil. On sent les reines de la Gambie quand on vient ici. On aime vraiment ça. Je ne ferai jamais ça en Hollande. Mais là, vous pouvez boire le thé avec eux. Vous vous sentez en sécurité. C'est vraiment cool. Ils sont vraiment sympas. Dopi est votre copain attitré? Un de mes amis réguliers. Oui, certaines années, je ne le vois pas souvent parce qu'il a une fiancée. Mais normalement, il est là. Il a une fiancée? Oui, il a une fiancée allemande. Dopi, tu as une fiancée allemande? Oui. La plupart des touristes qui viennent ici sont lucides et savent exactement ce qu'elles sont venues chercher. Odette est accro à la Gambie depuis 10 ans. Quel est ton nom? Sylvie. Sylvie. Et toi? Mariama. Oh, Mariama, un prénom gambien. C'est l'heure du café. Tu nous en offres un? Je ne leur dis jamais mon vrai prénom. Je leur donne juste le prénom de mon ami et le nom de famille aussi s'ils le demandent. Et ils me disent « Oh, tu es mariée ?» Je leur réponds « Oui ». Ils me disent « Tu ne me connais pas. Sans doute tu m'aimerais mieux. » Je leur dis « Non, mon mari n'aime pas ça. Il est très jaloux. » Odette se fait appeler Mariama et se dit mariée pour éloigner les hommes trop entreprenants. Une discipline qu'elle s'impose depuis qu'elle a décidé de passer 7 mois de l'année loin de sa Hollande. Là-bas, elle laisse derrière elle 2 enfants, une vie bien organisée et une brillante carrière d'informaticienne. À 48 ans, Odette a enfin décidé de s'occuper d'elle. Ils disent toujours la première phrase « Bienvenue !» Et tout de suite, « C'est votre premier séjour ?» C'est toujours la même chose. Beaucoup de Gambiens disent « Oh, tu es ma première petite amie blanche !» Et leur façon de dire « C'est pas dans mes habitudes de draguer, mais vraiment je t'aime beaucoup. Vous devinez que ce n'est pas vrai, mais ils savent exactement comment vous avez envie d'être considéré. Ou en tout cas, comment les femmes blanches aiment être traitées. Combien de petits copains avez-vous eu ici? En Gambie? 2. Okay. So far. Jusqu'à présent. Je suis une femme très sérieuse en Hollande. Je travaille dur, j'ai des responsabilités, j'organise tout, tout est bien cadré. Je sors autant que je veux, j'ai des amis, hommes et femmes. Je suis hyper indépendante. Et ici, je m'occupe de ma vie amoureuse. Et depuis 4 ans, Odette n'a Dieu que pour un seul homme, Aboubacar. Il est très beau, non? Oui. Les hommes sont mignons ici, non? Oui. Je ne peux pas nier. Quand vous voyez ces hommes blancs marcher avec leurs shorts et leurs chaussures ridicules, leur ventre bedonnant, très blanc, soyons honnêtes, si vous mettez un black en face d'un blanc, vous êtes aveugle si vous ne voyez pas la différence. Bien sûr qu'ils sont beaux. Avenue Sénégambia. C'est cette avenue longue d'à peine 300 mètres qui prend le relais des plages à l'heure de l'apéro. C'est le truc de rendez-vous. Max est français. Il tient un hôtel tout près d'ici. Le tourisme sexuel féminin, il l'a vu arriver dans le pays. Ça commence dans les terrasses,
mais certaines. La plus fréquentée, c'est toujours Alibaba. Hein. Ah bon? Oui. Parce que c'est le plus ancien. Ouais. Alibaba, un cabaret connu dans le monde entier pour la variété de ses gigolos. Après toutes ces années passées en Gambie, Max affirme n'avoir jamais vu une seule histoire d'amour ici. Je ne pense qu'à... Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Toujours à demander. Ils se font entretenir. Hein? Oui, ils se font entretenir. C'est pas forcément un tarif pour... D'accord. Ils se font entretenir. Ils se font entretenir. Ils essaient de se faire acheter une voiture quand la personne part ou se faire faire des affaires, quoi. Mais il n'y a aucune chaleur, il n'y a rien du tout là-dedans. C'est de l'intérêt. Alors ça veut dire que tous les jeunes qui ont à peu près réussi ici, qui ont des voitures, qui se sont installés... Plupart, c'est ou ça ou la drogue. 22 heures, après une journée à se pavaner sur la plage, le carnet de bal des chevaliers servants de l'Alibaba est rempli. L'alcool et la musique effacent les dernières pudeurs des plus réticentes. C'est ici qu'elles emballent. Généralement, elles payent la note du repas. Et si la nuit qui s'annonce s'est bien passée, c'est parti pour une folle semaine. Et au jeu de l'amour à la carte, certaines nationalités sont plus prisées que d'autres. J'ai trois femmes en Allemagne. Moi, je suis un Africain, un Gambien. J'aime ça, vous savez. Et les Anglaises, les Hollandaises? Non, j'ai pas de chance. J'aime pourtant les Anglaises. Parce que quand on est un homme comme moi, vous devez avoir une femme en Angleterre, une femme à Paris, en Amérique, en Allemagne, au Danemark, en Suède, tous ces pays. Histoire d'avoir des amis. Ouais, des amis. Ambiance, les feux de l'amour au bar. Les plus timides s'accrochent encore à leur verre, mais même elles ne tardent pas à succomber au charme local. Pour quelle raison êtes-vous venue en Gambie? Pour mon corps. Vraiment pour mon corps, la première fois. J'étais tout le temps malade en Hollande. J'avais des problèmes à cause du froid. Quand je suis venue ici, je me suis sentie mieux. Et ça allait mieux après? Oui, c'est vraiment la première raison pour laquelle je suis venue ici. Et vous? Je suis venue ici pour les vacances et je me suis fait avoir. Vous êtes seule ici? Avant, oui. Mais maintenant, j'habite avec mon petit ami. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. Pourquoi vous riez? Elle disait quelque chose de marrant. Ne posez jamais la question de l'âge ici. Ce n'est pas poli de demander à une femme. Nous ne faisons jamais ça. C'est pourquoi je ne le demande qu'aux hommes. Alors ça va. À un homme, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Cynisme d'un côté, immoralité de l'autre, et s'il ne s'agissait que d'histoires d'adultes consentants, tout simplement.